Hello à tous, on est le lundi 13 mars, c'est mon jour de congé à la boutique puisque le lundi c'est fermé. J'avais pas prévu de faire grand chose, sauf qu'aujourd'hui finalement je vais aller chez des fournisseurs, je vais y aller avec mes parents, comme ça nous fait une petite balade, on ira certainement manger là-bas. J'ai besoin de quelques plantes fleuries pour la boutique, je verrai un peu ce qu'il y a. Je pourrais les commander chez mon autre fournisseur habituel, mais en fait j'ai envie pour une fois d'aller les voir moi-même, d'aller faire un petit tour. Dans toute la partie plantes, parce que je n'achète pas de fleurs en général là-bas. J'ai besoin de quelques vases aussi, et je vais vous montrer, j'ai quelques plantes chez moi dont il va falloir que je m'occupe, que j'aimerais bien rempoter. Donc je vais aller chercher le matériel aussi pour faire ça là-bas. C'est assez pratique, comme je suis fleuriste, que j'ai accès à tout ça assez facilement. Donc je vais vous montrer les plantes que j'ai à rempoter et ce que je vais prendre. Et je vais vous emmener du coup chez les fournisseurs. Donc j'ai ici sur mon appuie-fenêtre cette Monstera Adansonii et la Raphidophora tetrasperma que j'ai acheté récemment, qui sont dans les tout petits pots comme vous voyez, et que je vais directement rempoter en fait dans des pots plus grands avec des tuteurs parce que j'ai envie qu'elles deviennent bien belles. Donc je vais aller chercher ça et je sais pas encore si je vais les mettre dans des pots en céramique ou des pots en plastique. Je réfléchirai là-bas et à mon avis je les rempoterai je pense pendant la vidéo FAQ, comme ça je suis pas juste devant la caméra à rien faire. Comme ça, j'aurai une activité à faire pendant que je réponds à vos questions. Donc voilà, on va aller faire ça. Les amis, il est genre 19h30, la journée s'est bien déroulée. J'ai filmé la vidéo FAQ, donc normalement, si vous êtes abonné, vous l'avez déjà vue, puisque elle sera sortie normalement le mercredi, si tout va bien. Vidéo dans laquelle, si vous l'avez vue, j'ai en même temps replanté deux plantes, un Raphidophora tetrasperma et une Monstera Adansonii. Raphidophora qui se trouve juste là. Et juste avant, j'avais rempoté ma Monstera taille constellation que je m'étais offert avec l'aide de ma maman pour les 1 an de la boutique qui vont bientôt arriver, mais voilà, j'étais tombé dessus en avance. Je vais vous la montrer puisque j'ai dit dans la vidéo FAQ que je vous la montrerai ici dans cette vidéo. Donc je vais faire ça directement. Elle est dans la salle de bain. Dans ma salle de bain qui est un peu en bordel parce que j'ai un petit restant de terreau que je vais devoir, que je vais devoir ranger. Mais voici donc la bête. Elle est super belle. Et alors normalement, je sais pas si on le verra parce qu'il fait pas très clair, mais elle a une toute petite pousse ici qui est en train de se faire. Donc j'aurai deux tiges. Cette plante est juste magnifique. Ça faisait partie un peu de mes goals et je l'ai. Alors je l'ai mise ici dans la salle de bain pour plusieurs raisons. Déjà, première raison, c'est que vous le verrez, juste ici, il y a un Velux. Donc elle est limite en face, c'est une pièce qui est très lumineuse. Donc comme je le disais, la salle de bain, c'est une pièce qui est très lumineuse, puisqu'en fait, donc, le Velux qui se trouve derrière moi, elle est juste en face, à 1 mètre du Velux, et il y a de la lumière du soleil toute la journée, en fait, à partir de midi jusque tard la journée. Donc ça, c'est top, parce que je voulais être sûr qu'il y ait un maximum de lumière. C'est aussi une des seules pièces où j'ai de la place, en fait, de mettre une grande plante. Voilà. Et en plus, niveau humidité, c'est juste top parce que on est deux à utiliser cette salle de bain. Il y a moi et mon frère qui est juste en face. Et donc du coup, cette salle de bain est très souvent humide. Du coup, je me suis dit que ça lui mettrait toutes ses chances de son côté. On est donc le mardi 14. Il est presque 14h. Je vous prends un peu tard aujourd'hui.
Mais c'était un peu la course ce matin parce que j'ai dû aller vite fait chercher encore un petit réassort de fleurs parce que j'ai pas trouvé tout ce que je voulais en fait chez mon fournisseur principal. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui parce que j'ai toutes les plantes qui sont arrivées hier que je dois mettre en place. Il y a aussi tout un arrivage, alors je vais vous montrer, qui se trouve juste là. C'était ma commande que j'avais faite chez Rastelli. J'en parle dans le premier vlog de l'année 2023. Donc j'ai déjà nettoyé les fleurs. Je ne l'ai pas fait en vidéo avec vous, mais je vais vous montrer ce que j'ai pris parce que je sais qu'il y en a plein qui adorent que je montre les variétés de fleurs que j'ai prises et les couleurs. Il y en a qui sont assez sympas. Je vais vous montrer ça. Donc voilà le banc de fleurs. Alors il n'y a pas beaucoup, beaucoup de couleurs parce que c'est beaucoup du blanc et du vert. J'ai donc toujours les viburnums. Il m'en reste quelques-uns. J'ai repris du gypsophile parce que franchement, en ce moment, j'aime bien en mettre dans plein de bouquets. Ça donne pas mal de volume et c'est assez léger. Talpsy toujours parce que c'est trop chouette. Ça va avec tout. De la jolie wax blanche. Des scabieuses. Alors cette fois-ci, je les ai prises comme ça en couleur un peu crème rosée. Ça se voit peut-être un tout petit peu à la caméra, mais il y a une touche de rosée dedans. Je prends jamais des scabieuses claires et pour une fois, j'avais envie d'essayer. Des petites narcisses à cœur orange. Alors j'ai hâte de voir quand elles vont s'ouvrir ce que ça va donner. Du prunus blanc. Je voulais un peu des branchages comme ça avec des petites fleurs. Il n'y avait pas de cerisier, c'est encore un peu tôt. Mais du prunus, je me suis dit que c'était sympa. Toujours les Craspedia là derrière qui se baladent. Du Solidago, classique. Qu'est-ce que j'ai pris de chouette? Du Grevillea. Voilà, ça tient très bien, c'est très chouette. Des petits Ianthus couleur pêche. Et alors, des renoncules saumon que j'ai cherché ce matin. Elles sont super jolies, la couleur est dingue. Et encore là, ça ressort un peu plus rose à la caméra. Mais en vrai, elles sont vraiment couleur saumon orangé. Des petites roses, de la stilbe, pour une fois j'en ai pris un violet, ça va changer. Et alors oui, ça, et alors caché derrière des fleurs de pavot. Voilà, j'avais envie d'essayer, ça tient pas super longtemps, mais j'avais envie d'en prendre pour une fois, c'était joli. En fait j'ai vu ça chez une copine, une Clara, qui est aussi fleuriste mais événementielle, et bah, ça m'a donné envie. J'ai pris des petites tulipes, c'est pas des tulipes perroquets cette fois-ci, mais elles sont doubles. Toujours des chardons, vous connaissez, et un peu de campanule. Donc du coup, voilà le banc de fleurs. Une des étapes suivantes, ça va être ici de mettre en place toutes les fleurs qui se trouvent ici. Alors lui, il a soif, hein. Je vais lui donner à boire, vous en faites pas. Des petits hortensias aussi. Et alors, je vous montre vite fait la petite dinguerie que j'ai pris. Hop là, voilà. Vous verrez ça plus tard. Et alors ici, voilà, ça c'est toute la commande que j'ai reçue de chez Rastelli. Qu'il va falloir du coup que je vérifie. Parce que voilà, il faut que j'ouvre un peu les cartons pour voir s'il n'y a pas eu de casse. Il y a déjà un carton où il y a eu la casse, malheureusement. Et que je mette tout ça dans les stocks et que je mette ça en place. Parce qu'il y a des trucs là-dedans qui sont pour ici très vite. Parce qu'il y a des choses qui sont pour Pâques et pour le printemps. Donc je vais essayer de faire ça le plus vite possible. Mais avant ça, ce sera d'abord la mise en place des plantes. Parce que ça, c'est vraiment important. Donc du coup, ça va être une journée assez chargée. Je ne sais pas si je vais beaucoup prendre la caméra, parce que ben, il faut vraiment que je fasse tout ça le plus vite possible. Comme je vous dis, mettre en place toutes les plantes. Comme ça bouge un peu du magasin ici, ça fait un peu plus d'espace. Et pareil pour la commande en fait de décoration et de cache-pot qui sont arrivés de chez Rastelli. Il faut que je m'en occupe le plus vite possible, parce que je dois encore faire les photos pour remettre sur l'Instagram de la boutique. Et oui, que je fasse, que je compte en fait tout ça, que je mette tout dans les stocks. Et donc j'aimerais bien que ce soit fait entre aujourd'hui et demain. Donc à mon avis, aujourd'hui je vais juste savoir m'occuper des plantes et demain on fera Rastelli parce que voilà, une journée c'est trop court. Alors j'ai déjà mis pas mal de plantes en place. J'ai les orchidées ici. J'aime bien la couleur. Le jaune ça change une fois et puis avec ces petites taches elles sont sympas. Donc voilà, dans les petits pots jaunes, je trouvais que ça allait bien. Des anthuriums qui étaient déjà là, je suis vraiment pas fan des anthuriums. En fait, je sais qu'il y a plein de gens qui disent que c'est super facile comme plante. Moi, j'ai du mal. Donc j'en prends très peu. Et alors, des calanchoées, j'ai pris ceux-ci qui avaient une tête un peu mignonne avec des fleurs un peu différentes d'habitude. Ouais, des petites fleurs. Et ceux-ci qui ont des grosses clochettes vertes, ça rend vraiment bien. Alors, faites pas attention ici en bas. C'est encore toutes des plantes qu'il va falloir que je mette en place. Des petits philodendrons. Ceux-ci aussi, il va falloir que je les mette en place. Les marantas. En fait, je voulais les mettre sur les étagères un peu partout. Mais le problème, c'est que je pensais qu'elles seraient plus grandes. Et au final, elles sont petites. Donc, si je les mets dans des pots, on les voit plus. En fait, j'aurais aimé qu'elles soient un peu plus retombantes. Comme ça, sur un bord d'étagère, on les voyait retomber. Et ben non, tant pis.
Et alors, les petites merveilles que j'ai rentrées. Premièrement, cette plante-ci, il me semble que c'est un philodendron, je suis plus sûr, je vais vous mettre le nom en dessous, parce que je ne sais plus du tout, j'en ai commandé plusieurs des plantes, donc voilà, mais il est énorme. Et alors, cette petite, voire grande beauté, en fait, donc la Monstera variegata, elle est super belle, elle a coûté super cher, elle est aussi grande que moi, et voilà, j'ai mis ici juste en vitrine, je me suis dit comme ça on la voit. Et comme ça, là, un maximum de lumière. Et alors, je vais vous faire une confession. La petite confession, c'est que je m'en suis prise une pour moi aussi. Voilà, j'ai craqué. C'est pas très bien. Elle va rester ici. Hein. Là, elle est. Alors, le chauffage ne fonctionne pas, je vous rassure. Et alors, là, elle est déjà grande. À mon avis, ce que je vais faire, c'est que je vais la tailler. Je vais bien la tailler pour faire des boutures, pour à la limite avoir des plus petites Monstera à vendre. À donner ou à offrir en cadeau. Et voilà, parce que bon, c'est bien d'en avoir une déjà toute grande, mais bon, si elle arrive déjà en haut de son tuteur et que voilà, bah, ça sert à rien. Donc, moi, pour moi, je vais la couper, peut-être à la moitié, je verrai bien. Et puis voilà, on verra bien. Et alors, ici, c'est tous les cartons donc, de chez Restelli, enfin, une partie, parce qu'il y a encore une autre partie là-bas que j'ai commencé en fait à vérifier, parce que j'ai donc ici. Ma liste de commandes, et il faut que je vérifie en fait à chaque fois que tout soit bien arrivé. D'ailleurs, je pense qu'il manque un ou deux cartons, ça c'est dommage. J'ai eu de la casse, hein, vous le verrez, il y a un carton dedans, il y a un cache-pot de cassé. Donc c'est pour ça que je dois prendre le temps aussi, chaque carton, de l'ouvrir et de regarder chaque item à l'intérieur. Et donc du coup, voilà, donc dans un des cartons, il y avait un cache-pot qui était cassé. Donc vérifier tout ça, vérifier que tout est bien arrivé, tout mettre dans l'inventaire. Et puis ensuite, commencer à les ranger. Là, j'ai commencé à ranger juste deux cartons de cache-pot. Parce que, bon, il y a les cartons là. Il y a les deux qui sont ici. Ceux qui sont là. Oui, et en plus, je mets le petit nom à chaque fois de ce que c'est. Comme ça, quand ils seront dans la cave, dans la réserve, je peux retrouver facilement. Et alors, ici aussi, des cartons que j'ai mis là. Et des cartons que j'ai mis là. Donc, à mon avis, ça va être tout pour la journée d'aujourd'hui. Parce que, voilà, j'ai fait pas mal de choses. Il y avait beaucoup à faire. Là, il va bientôt être l'heure de commencer à ranger et fermer. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un bon coup de balai. Je vais tout ranger, frotter un peu ce qu'il y a à frotter. Et puis ensuite, je vais rentrer les plantes. Et on se dira du coup à demain, parce que moi, je vais juste rentrer chez moi pour profiter de ma soirée. Bon, les amis, on est mercredi. Finalement, hier, je suis resté à la boutique jusqu'à 22h, 22h30, parce que je voulais quand même continuer à m'occuper des cartons, de tout ce qui est arrivé hier. J'ai pas fini. Il en reste encore. Là, il en reste encore là, il en reste sous le comptoir, tout simplement parce que voilà, il était 22h30 presque, et je me suis dit, Alain, on ne va pas déconner non plus. Tu vas rentrer à la maison. Ça m'embêtait un peu parce que moi j'aime bien arriver le matin et que tout soit dégagé, nickel, surtout qu'aujourd'hui ça va être une journée chargée encore une fois. Mais c'est pas grave, on va faire ça tantôt. Maintenant, le but aujourd'hui, c'est. Et en fait, il y a pas mal de choses à faire aujourd'hui, je vais vous montrer. Le but aujourd'hui, ça va être que toutes les plantes qui sont là, qui viennent d'arriver, sauf les anthuriums, puisque eux étaient déjà là, je vais devoir leur refaire une petite étiquette. En fait, c'est des petites étiquettes que je fais un peu comme là, vous voyez. Donc ici, c'était une azalée. Donc azalée, 15 euros. Et puis en dessous, je mets le prix du cache-pot, parce que les gens peuvent choisir de changer le cache-pot ou de prendre sans cache-pot. Donc je vais devoir à chaque fois faire des étiquettes pour chacune que je mets devant. Je trouve ça plus joli, plus élégant. En plus, ça permet de mettre le nom exact de la plante. Donc il y a des gens, bah, ça va leur apprendre le nom tout simplement. Et je trouve ça chouette. J'adore mon petit coin ici avec ces deux énormes plantes. Avec la magnifique Monstera variegata. Oh, je l'aime trop. Je ne sais pas si j'arriverai à la vendre parce que elle est quand même à 1250 euros. Et oui, je vous avais dit, hein, j'ai craqué mon slip en la prenant. Mais vous voyez, j'aime bien ce petit coin. Alors, j'avais rentré aussi des tulipes en bulbe. Donc, je trouvais ça sympa. Parce que, justement, en fait, ils expliquent ici que bah, ça dure un peu plus longtemps. Ça tient mieux qu'en fleurs coupées. Et en plus, après, on peut les planter. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Je vais en refaire d'autres parce que j'aimerais bien que le début de la table, en fait, ici, soit rempli. Comme ça fera vraiment une masse. Après, peut-être que je m'occuperai de faire des bouquets. Ensuite, les tulipes qui sont rentrées. Donc, la sélection de tulipes de la semaine. J'aimerais bien, pareil, aussi. Les mettre justement dans un joli panier, faire des photos, parce que comme je vous l'avais dit, chaque semaine, j'essaye justement sur Instagram de faire un post avec justement la sélection de tulipes de la semaine.
Et puis voilà, la lumière est pas ouf en fait aujourd'hui. Il y avait du soleil ce matin quand je suis arrivé. Et puis le temps de passer le coup de balai, tout sortir, et ben, le soleil est déjà parti. Sinon, avant ça, ce qu'il va falloir que je fasse maintenant, c'est que hier, j'ai trouvé chez mon fournisseur des petits bouquets qui sont super sympas. Ce sont ceux-ci. Donc c'est plein de petits bouquets. Il y en avait 12, je les ai tous pris. Parce que voilà, c'est des petits bouquets que je peux vendre à une quinzaine d'euros. Ils sont quand même pas mal. Là par exemple, c'est un bouquet. Bon, je les trouve quand même assez bien fournis. Je peux les vendre à une quinzaine d'euros. Et en fait, absolument toutes les fleurs qui sont dedans vont pouvoir sécher. Donc on a ici du gypsophile, du limonium, du statis et du craspedia. Donc en fait, ça après, ça bouge plus. Toujours dans un magnifique plastique. Je déteste ça, mais bon, pas trop le choix. Je vais les réemballer, les mettre dans un joli panier pour commencer, et puis ensuite les mettre dehors à la vente du magasin. Ça mettra un peu de couleur aussi, donc je vais m'occuper de faire ça. Il va y avoir quelques plantes aussi que je vais devoir arroser, parce que le grand spathiphyllum, en fait, qui se trouve juste ici, ben, je vous avais dit hier qu'il avait soif, et en fait au final, je suis parti, j'ai oublié de l'arroser. C'est pas plus mal, parce que c'est pas ouf ouf d'arroser une plante la nuit, donc je vais faire ça ce matin. Vous voyez la pauvre là, elle tire la tête. Mais bon, et j'en ai d'autres aussi sur la table là-bas au fond qui commencent aussi. En fait, j'attends toujours la plupart de mes plantes en fait au magasin. Ce que je fais, la plupart des plantes au magasin, moi ce que je fais, c'est que parfois j'attends quand même qu'elles commencent à montrer qu'elles ont soif. Alors j'en ai quelques-unes qui sont un peu plus délicates où là il faut pas attendre qu'elles aient soif. Donc elles, j'y fais attention. Mais sinon, la plupart, je préfère attendre qu'elles commencent à montrer des signes de soif, d'assoiffement. Parce qu'on m'a toujours dit il vaut mieux trop peu d'eau que trop. Parce que bah, trop d'eau, bah, les racines pourrissent et on ne sait pas en retirer. Tandis que trop peu, bah, la plante a un petit peu soif, c'est pas très grave, on peut lui rajouter de l'eau. Et là, par exemple, avec l'espathiphyllum, bah, vous le savez bien, c'est une plante qui montre quand elle a soif. Donc du coup, bah, j'attends qu'elle me montre qu'elle a soif et puis je lui donne de l'eau. Comme ça, on est sûr de ne pas faire pourrir sa racine. Dans le magasin, il fait quand même frais, donc en fait, j'évite de donner trop d'eau. C'est toujours mieux. Sinon, petite nouvelle des plantes ici. Alors, ma Florida Ghost, la feuille qui était sortie donc la semaine dernière, commence à verdir et à devenir un peu plus dure. Donc, du coup, elle est moins mollassonne. J'ai toujours celle-ci qui commence à sortir, mais elle me paraît fort verte. D'habitude, elles sont beaucoup plus blanches en sortant, mais là, elle est déjà verte. Et alors, oh, toujours cette Monstera. Ça aussi, j'aimerais bien le faire aujourd'hui, comme je vous ai dit. J'aimerais bien la rabattre, peut-être de moitié, pour pouvoir faire des boutures, et parce que bah, j'ai pas besoin qu'elle soit aussi grande. J'ai allumé le chauffage aujourd'hui pour la raison toute simple qui est que dans l'arrière-boutique, il fait vraiment froid, et le fournisseur chez qui j'ai acheté ma Florida Ghost avait bien, bien, bien arrosé justement la plante, donc elle est encore humide, donc du coup j'essaye de chauffer un petit peu pour pas que ça reste humide trop longtemps. Alors normalement c'est pas ouf de mettre justement un radiateur et des plantes tout près. Moi, il va pas super fort, c'est juste histoire de chauffer un peu la pièce. Et le seul souci qu'il peut y avoir, c'est que ça assèche en fait l'air. Mais moi, ici, dans cette pièce-ci, il fait pas sec du tout. Et en plus, j'ai mis en fait un seau rempli d'eau pour que justement il y ait un petit peu d'eau qui s'évapore. Donc, ça, c'est une petite astuce. Alors, chez vous, peut-être que vous n'aurez pas envie de mettre un seau rempli d'eau. Je peux comprendre que ce soit pas très beau. Mais j'ai une de mes tantes, par exemple, elle met une demi-bouteille d'eau en fait à l'intérieur ici du radiateur et ça permet d'avoir de l'humidité. Voilà, comme ça vous avez un petit truc si jamais. Et donc voilà. Dans un joli petit panier, vous reconnaîtrez le panier Ikea. Ils sont vraiment bien, moi je l'aime bien. Et donc du coup, jaune et violet, qui sont les couleurs complémentaires, donc en fait ça va très bien. Et je vais aller mettre ça à une petite étiquette et les mettre dehors à l'avant du magasin. Et voilà les amis, les petites tulipes en bulbe dans des vases.
Je les ai tous faits. Du coup, j'aime bien parce que ça me fait un petit jardin dans le magasin. Vraiment, je trouve ça trop beau. Dites-moi ce que vous en pensez. Et l'avantage, du coup, c'est que les fleurs vont tenir plus longtemps. Je sais pas si je l'avais dit, peut-être. Et après, on peut replanter les bulbes. Donc ça, c'est plutôt chouette comme idée de cadeau. Maintenant, il me reste juste à faire les prix. Alors, en gros, c'est juste une feuille avec les prix que j'imprime comme ça. J'ai des petits présentoirs en acrylique dans lesquels je glisse les petites étiquettes de prix. Je trouvais ça plus joli. Sauf que c'est une grande feuille que j'ai imprimée et il faut que je trace à chaque fois le carré et puis que je l'insère dedans, que je découpe et je l'insère dedans. Alors, on va mettre les prix ensemble. Je suis désolée si ça tremble un petit peu. J'ai pris un shot de café. Et donc, du coup, voilà. Alors, ici, les orchidées phalaenopsis. Voilà. Sont-elles pas jolies? Oui. Les anthuriums. On va leur mettre un petit prix. Voilà. Oui, ça reste discret. Ici, donc, les Kalanchoe Magic Bell. Les Kalanchoe Pink Féminine, je crois que c'était le nom, je ne me rappelle plus. Ici, juste derrière, donc Calceolaria. Regardez comme ils sont beaux. Par contre, je ne sais pas si je vais savoir intégrer un prix. Oui, voilà. C'est vraiment beau cette couleur. J'ai pas l'habitude de prendre des fleurs orange, mais c'est joli. Et ici, les mâmes en rouge. Juste à côté, qu'est-ce qu'on a? Des Maranta Light Veins. Pareil, on leur met un petit prix, une petite étiquette. Elles sont belles aussi. Elles sont un peu chères, je trouve, mais elles sont belles. Des petits Gloxinia. Alors là, les fleurs sont encore fermées. Mais après, ça devient comme ça. J'adorais la couleur. En plus, ça a un effet un peu velours. Ensuite, les petites plantes en hydroculture. Parce que j'avais déjà celle-ci, colorée. Alors là, il reste plus qu'un pot. Brun, mais j'en avais des de toutes les couleurs et j'aimais beaucoup. J'essayais d'en retrouver, mais finalement j'en ai pas trouvé du tout des comme ça et ça avait eu beaucoup de succès. C'est dommage, mais du coup j'en ai trouvé des comme ceci et ils s'allument en plus par en dessous, donc ça peut être chouette aussi comme station de bouturage. Il y a des petits plants de Café Arabica et de Monstera d'Anthony. Et alors ici je vais mettre les prix aussi sur les bouquets de bulbes de tulipes. Voilà. Et on est bon, il me reste plus qu'à mettre un prix sur ces deux grosses plantes-là. Et puis on est bon. On se retrouve, on est le jeudi. Je vous ai pas repris hier parce que finalement j'ai été pas mal occupée. C'était beaucoup du rangement, donc il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. Ce matin, juste avant, je vous ai fait un petit plan sur ma Maranta Light Veins. Merci Marjorie Plante, parce que voilà, si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous la mettrai en barre d'infos. Parce qu'elle a des belles Maranta, j'ai pas arrêté de les voir, et du coup, ça m'a fait craquer. Je vous ai fait un petit plan ce matin, parce que du coup, elle est juste sous le Velux. Et c'est le seul moment où je peux en profiter, c'est quand elle est ouverte le matin, parce que le soir, quand j'arrive, elle est déjà fermée. Je voulais vous montrer aussi, j'ai du coup coupé ma grande Monstera variegata, celle que j'avais prise pour moi. Je vais vous montrer les boutures. Alors ça c'est la Monstera variegata donc que je me suis prise pour moi. Donc elle montait jusqu'en haut du tuteur et je l'ai rabattue. Et avec ça j'ai fait plein de boutures. Donc il y en a ici et il y a encore un vase complet qui se trouve sur le comptoir. Mais je voulais du coup vous poser une petite question. Donc justement, cette Monstera, comme je vous avais dit, j'en ai pris deux pour le magasin, enfin une pour la boutique à l'avant que je vous avais montrée, et une autre pour moi, que j'ai mise derrière dans la cuisine, que j'ai taillée du coup à plus de la moitié parce que elle était arrivée presque en haut de son tuteur, et du coup ça sert à rien d'augmenter encore la hauteur. Et du coup j'en ai fait des boutures. J'ai une quinzaine de boutures. Il y en a trois qui sont déjà réservées parce qu'il y en a une que je vais donner à mon amie Rosen parce qu'elle
Elle aime bien les Monstera. Alors, si jamais vous ne suivez pas, je vous le mettrai dans le petit i. J'avais rempoté sa Monstera Deliciosa. Et du coup, ben, je lui avais parlé du fait que j'allais rentrer une très grande Monstera Variegata pour la boutique. Et du coup, j'ai proposé d'avoir une bouture. Donc, elle est très contente. Donc, quand elles seront racinées, je lui en donnerai une. Et j'ai aussi une amie d'école, quand j'étais à l'école de fleuriste, qui m'a dit qu'elle en cherchait aussi. Du coup, je lui ai proposé aussi de lui vendre en fait deux boutures parce qu'elle en voudrait une pour elle et une pour une amie à elle. Et je voulais justement vous parler de ça. Donc, j'ai fait du coup ces boutures qui vont raciner tranquillement. Et je m'étais dit que je les aurais bien vendues une fois qu'elles étaient racinées à la boutique. Donc, je les aurais replantées dans du bon substrat, je les aurais mis en pot et je les aurais vendues. Parce que la toute grande Monstera Variegata qui se trouve en boutique est au prix de 1 250 €. C'est énorme, clairement tout le monde ne peut pas se payer ça. Elle fait 1m80 en même temps et il y a 5 ou 6 pieds dedans, donc bon, ça va. Mais je m'étais dit pourquoi pas justement avec ces boutures faire des plus petits plans et les vendre du coup beaucoup beaucoup moins cher. Mais dites-moi ce que vous en pensez, mais je me sens pas hyper légitime à faire ça en fait, à les vendre ici à la boutique. Vous allez dire c'est débile puisque je suis fleuriste et donc du coup je pourrais puisque je peux produire moi-même. Mais j'ai pas, il y a une petite partie de moi qui se sent pas hyper légitime. Donc du coup je m'étais dit est-ce que je les vendrais pas sur Facebook Market. Et donc j'ai été juste un petit peu regarder sur Facebook Market les prix que les gens demandaient pour ce genre de plantes. Alors pour les Français qui me regardent, il faut savoir qu'ici en Belgique on a moins accès en fait à ce type de plantes qui sont dites rares, tout simplement parce qu'en France vous avez plein de grosses chaînes de jardinerie. Ici en Belgique on n'a pas de grosses chaînes de jardinerie, on a quelques jardineries, c'est tout, et donc c'est assez dur d'en trouver, et donc du coup les prix sont un peu plus chers chez nous. Par exemple moi ma jardinerie qui est pas très loin de chez moi, ils ont un petit rayon plantes rares, mais vraiment un petit rayon. Et donc du coup j'ai regardé sur Facebook Market et j'ai vu qu'il y a des gens qui demandaient pour des boutures de tronçons genre à peine coupées, même pas encore racinées, des 40, 50, 60 €, ce que je trouve énorme. Donc moi je m'étais dit que si je les vendais sur Facebook Market, ce serait plutôt aux alentours de 25-30 €, parce que bon, il faut pas abuser non plus. Moi c'est des boutures que j'ai de toute façon. Donc dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous trouveriez ça légitime que j'en vende à la boutique ou alors pas du tout et il vaut mieux que je les vende sur Facebook Market? J'ai aucune idée honnêtement, donc voilà, dites-moi en commentaire. Et du coup oui, comme je vous disais, j'ai 3 vases qui se trouvent là sur la petite fenêtre de la cuisine, mais j'avais plus de place pour en mettre d'autres et j'avais beaucoup de boutures. Et j'avais pas envie non plus de masquer toute la luminosité de la fenêtre, donc du coup j'en ai mis un ici et... Ça fait déco sur le comptoir, c'est pas mal. Et comme ça, j'en profite aussi un petit peu. Ça fait un petit bouquet de Monstera Variegata. Et j'ai déjà quelques clients qui m'ont dit que c'était plutôt sympa. Donc voilà, j'adore cette feuille-ci. Elle est vraiment belle. Regardez. Et un truc que j'aime bien avec la Monstera Variegata, c'est que je trouve que son feuillage, le vert en tout cas de son feuillage, est très profond. Limite, on dirait qu'il y a un petit peu de bleu dedans. Je sais pas comment vous expliquer et si vous trouvez aussi que c'est le cas. Mais dans toutes les Monstera Variegata que j'ai déjà vues dans ma vie, je trouvais que les feuilles assez anciennes, en tout cas, avaient ce côté un peu bleu profond. Ou alors peut-être que c'est juste le contraste avec le blanc et le crème qui fait ça, mais voilà, j'adore cette feuille-ci. Et alors, vous vous doutez que si je compte vendre en fait ces boutures de Monstera Variegata, c'est tout simplement parce que, donc, comme je vous disais, la grosse plante qui se trouve dans la boutique est à 1 250 €. Alors, je n'ai pas payé la mienne 1 250 €. J'ai la chance de la payer au prix fournisseur. Mais vous vous doutez que je ne l'ai pas payé non plus 20 €. Je l'ai quand même payé assez cher. Donc, j'aimerais bien, avec ces boutures, puisque je devais de toute façon la couper, alors, pas rentabiliser la plante, parce que clairement, au prix où je l'ai payé, malgré tout, je la rentabiliserai pas, mais au moins un petit peu l'amortir. C'est-à-dire que je me suis fait un petit plaisir, un gros plaisir, soyons d'accord. Donc si je pouvais un petit peu l'amortir, ce serait pas mal. Et puis, comme je disais, je compte pas les vendre très cher, en fait, ces boutures. Voilà, ça reste une plante, il faut pas abuser non plus. Je viens de faire un beau gros bouquet champêtre. Parce que voilà, il faut que j'en fasse quand même pour la boutique. On va aussi faire un peu de fleurs. Et je vous avais dit, j'avais pris des pavots. Regardez comme c'est super joli.
Et en fait, le truc, c'est que j'en ai jamais pris à la boutique. J'en ai jamais pris, j'ai rarement travaillé avec des pavots. Mon ancien travail, on en rentrait de temps en temps, mais honnêtement, on les mettait jamais à la vente parce que on avait toujours peur que ça tienne pas. Et en plus, il faut savoir que les tiges des pavots, en général, c'est le genre de tiges où il faut en fait les cautériser. Je sais pas si vous voyez, la tige ici est un peu plus brune parce qu'elle a été cautérisée. Simplement, on a pris un briquet ou une flamme et on l'a posé dessus. Je vais vous poser parce que ça fait que trembler. Donc simplement pour cautériser, on prend un briquet avec une flamme et on passe la tige. Et comme nous on les recoupe et que je ne suis pas un pro de la cautérisation, enfin en fait la cautérisation c'est un petit peu délicat comme étape. Et donc à chaque fois qu'on en rentrait à mon ancien boulot, on ne les mettait pas en vente. Le peu qu'on avait, on le mettait en fait sur le comptoir ou derrière le comptoir en décoration. Et j'ai voulu en prendre cette fois-ci parce que ben voilà, j'avais envie d'essayer. Et que ça reste une jolie fleur. J'ai une amie fleuriste qui fait de l'événementiel, Clara, qui du coup en utilise souvent. Et je lui avais demandé si elle avait des petits tips en fait pour bien les garder et pour bien s'en occuper. Et parce que bon, niveau cautérisation, je ne sais pas. Surtout que dans un bouquet, une fois que je coupe les tiges du bouquet, ben, je ne peux pas m'amuser à les cautériser puisque c'est mélangé dans le reste des tiges. Et elle m'avait dit qu'elle les utilisait juste en événementiel. Donc c'était juste pour la journée. Donc elle s'en fichait s'ils étaient cautérisés ou pas. Et qu'elle, elle retirait juste en fait la petite coque autour au dernier moment pour quand même protéger la fleur. Et donc dans ce bouquet, j'en ai mis 2, 3. Et il faut que je m'amuse à retirer du coup la coque qui est autour. Alors là, je l'ai fait, ça a mis un temps dingue. Je pense qu'il y en a un autre aussi qui doit se cacher. Ben voilà, là. Il faut que je m'amuse à le retirer, mais tout délicatement en fait. Puisque, ben, je sais pas si on va le voir de ce côté-ci. Mais en fait, les pétales sont hyper fins et délicats. Donc, et ils sont vraiment collés à la coque. Donc il faut pas que je les abîme. Quelque chose qui va me prendre un temps dingue, mais je pense que le résultat va être pas mal, surtout que j'ai pris ceux qui étaient orangés, enfin qui ont l'air d'être orangés, et avec le bleu pâle et ici ce violet, enfin ce rouge violet un peu foncé, je trouve que le mélange est vraiment pas mal. Maintenant j'ai envie de faire un petit bouquet dans les tons blancs, vraiment avec tout ce qui se trouve là, parce que ces scabieuses avec ce ton un petit peu rosé, elles sont vraiment magnifiques. Je vais mettre aussi un peu du prunus, parce que regardez les fleurs quand elles s'ouvrent. Et à mon avis, ces deux-là, le talpsy, oh, la wax, ouais, le gypsophile peut-être, je vais voir, ou l'un ou l'autre, parce que je suis pas sûr que les deux ensemble, peut-être ça fera trop. Et le viburnum, à mon avis, ça donnera bien. Vraiment tout ce petit mélange-là, avec vraiment la petite pointe de rose. Alors, je vous l'ai déjà dit, hein, mais là, à la caméra, on le voit moins. Mais en vrai, c'est vraiment un petit peu plus rosé, mais c'est même pas baby pink, c'est vraiment un rosé tout léger. Et voilà, petit bouquet blanc et vert. J'aime bien parce qu'il part un peu dans tous les sens comme ça. Je l'aime beaucoup, il est très léger. Et quand les fleurs de prunus ici vont s'ouvrir, ça va être vraiment joli parce qu'il y aura du blanc un peu plus partout. Ouais, je l'aime bien. D'habitude, j'aime pas les bouquets blancs, mais celui-ci, j'aime beaucoup. Bon, après avoir passé presque 3 jours à encoder les nouvelles collections qui sont arrivées de chez Rastelli, parce que comme je vous le rappelle, il fallait tout vérifier, donc il fallait que j'ouvre chaque carton pour voir s'il n'y avait pas de la casse, que j'encode tout dans l'ordinateur, que je mette les prix surtout. Et là, du coup, j'ai déjà mis en place, on les voit là, la collection de petits vases et porte-bougies Petit Potiron. Je vais vous les montrer de plus près. Donc voilà, vous les avez là. Et alors, il y a quatre couleurs. Il y a ici le transparent. Ici, c'est Party Pink.
ambre beige et melon blush. Et donc vous avez à chaque fois le petit vase ici avec le petit porte-bougie. Je trouve vraiment sympa. Donc là, vous avez le petit porte-bougie en métal. Et vous avez aussi à chaque fois le petit vase sphérique comme ça. Et alors l'idée, en fait, ils sont vendus séparément. Mais c'est mieux en fait d'acheter, je trouve, une paire. Parce qu'il n'y a que sur ce petit vase-là qu'il y a le porte-bougie. Et il se met aussi en fait sur l'autre. Donc du coup, si on achète la paire, on peut facilement interchanger en fonction si on veut. D'ailleurs, voilà, là, je les ai mis en présentation avec des bougies un peu dans toutes les couleurs. Ça, c'est aussi une nouvelle gamme de bougies que j'ai pris, qui vient aussi de chez Rastelli. C'est leur marque Lose, donc Lose Your Sense. Et ils font des bougies ici. On le verra mieux sur celle du milieu, mais c'est la gamme Velvet, en fait. Donc, on dirait vraiment du velours. Et alors, vous voyez, là, par exemple, ben, j'ai échangé. J'ai mis plutôt le porte-bougie sur le petit vase sphérique et j'ai utilisé celui-ci comme vase. Il y en a d'autres ici. Comme derrière où j'ai laissé comme c'était de base. Et donc voilà, et ça grosso modo, j'ai refait en fait, j'ai rien inventé du tout, j'ai refait la présentation que j'avais vue en fait pendant le salon quand j'avais été voir justement les présentations des nouvelles collections. Et eux, ils avaient fait pareil en fait, ils avaient fait un petit ensemble comme ça avec des petits vases remplis avec des fleurs. Et donc j'ai refait un peu la même chose, alors pas avec les mêmes fleurs hein, évidemment. Et alors pour le choix des couleurs de bougies, bah, c'est pareil en fait, c'était ce choix de couleurs-là qu'il y avait justement en présentation, donc je comptais pas du tout prendre de chandelle, mais je trouvais que ça allait bien, et donc du coup j'ai pris un petit stock de chandelles. En fait j'ai pris un carton de chaque. Elles sont vendues par paire, et donc du coup ouais je trouve ça sympa. Et donc du coup les autres, enfin voilà, je les ai mises là-bas au-dessus, juste au-dessus de mon beau meuble verre d'eau, et j'aime vraiment bien. Donc du coup ça, j'ai fait le test hein, quand on rentre. Enfin je vais vous montrer en gros. Mais quand on rentre, on les voit quand même bien et ça ajoute un petit pop de couleur. Et alors, j'ai quasiment fait tout ce que je voulais faire. La seule chose qui me restait sur ma liste, c'était m'occuper en fait de ces plantes-là qui étaient arrivées. Donc les Raphidophora et alors ici les Philodendrons. Aussi ce gros philo ici. Regardez ces feuilles comme elles sont chouettes. Bref. Mais ça, je le ferai demain. Parce que pareil, en fait, je dois leur trouver un cache-pot à chaque fois qui leur va bien. Je dois faire les feuilles de prix, les petites feuilles de prix, les petites étiquettes. Et puis ouais, voilà. Mais j'ai envie de faire ça à mon aise, tranquillement. Là, il est passé 18h30, je pense. J'ai eu quelques clients, tout ça. Donc voilà, je pense que pour aujourd'hui, ce sera tout. Et c'est déjà très bien. Alors, on est vendredi, du coup, maintenant. Je suis trop content parce qu'en fait, ça fait genre 2 jours. On le voit derrière à la luminosité. Ça fait 2 jours qu'il fait super beau à Bruxelles et qu'il fait aux alentours de 17 degrés. Ça y est, c'est le printemps. Donc moi, je suis content. Donc du coup, vous allez peut-être un peu entendre les bruits de rue et des voitures qui passent. C'est comme ça. Désolé. Ça faisait trop longtemps que la porte ne pouvait pas rester ouverte. Ouf, vous tremblez un peu. Ce que je vais faire là maintenant, donc j'ai déjà ouvert la boutique. J'ai déjà aussi passé un coup de balai, tout ça. Je vais m'occuper de refaire des bouquets, enfin de réemballer les petits bouquets là que j'avais mis à 15 euros. Parce que comme vous le voyez, je n'ai pas trop le penché, mais le panier est presque vide. Donc j'ai tout préparé, j'ai mon papier et tout ici. Et je vais emballer ça en même temps. Je vais essayer de vous montrer. Youf. Youf. Voilà. Je sais pas vous mettre loin, je suis désolé. Parce que j'ai juste un tout petit. Vous savez, ces petits trépieds un peu, moi j'appelle ça avec des tentacules, vous savez qu'on peut accrocher un peu partout. J'ai un grand trépied et tout à l'arrière, mais j'ai la flemme à chaque fois de le sortir et il est vraiment immense et ça prendrait de la place ici, donc ça fait pas sens. Je vais emballer du coup à nouveau quelques petits bouquets pour renflouer ce panier. Et voilà, j'en ai emballé 3 histoire de re-remplir ça. Et pendant que je vais faire ça, je vais vous raconter un truc trop chouette qui m'est arrivé du coup ce matin. J'espère que ça va pas trop bouger hein, puisque je fais autre chose en même temps. J'ai une cliente qui est venue, une dame,
vous avez un gros blanc sur ma tête là. Qui était venue parce que elle découvre la boutique parce qu'une de ses petites filles lui a offert des fleurs de chez moi. Et on a beaucoup discuté, tout ça, c'était vraiment une super gentille dame. Et à la fin, elle m'a dit un truc trop mignon. J'ai fini. Qui m'a dit en fait, vous, on voit que vous n'êtes pas commerçant. Elle me dit en fait, vous êtes juste un passionné qui se sert du commerce pour assouvir sa passion. Et en fait, c'est totalement ça. Elle a totalement raison. C'est-à-dire que moi, si j'ai ouvert ma boutique de fleurs, c'est juste pour mon propre kiff, en fait. Juste parce que j'adore ça. J'adore être au milieu des fleurs, des plantes. Et j'assouvis ma passion, en fait, en ayant cette boutique. Tout ça pour vous dire, si vous voulez faire quelque chose dans la vie et que ça vous fait vibrer, que ça vous fait plaisir, faites-le. Faites tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Ayez la chance de pouvoir vivre de votre passion. Moi, j'ai jamais l'impression d'aller travailler. Alors oui, parfois j'ai des journées qui sont dures, qui sont fatigantes, mais j'ai jamais l'impression de travailler. Et c'est ce que je disais dans ma vidéo FAQ. Je mettrai la vidéo dans le petit. Quand on me demandait combien de temps tu consacres à ton métier par jour, et que je disais tout mon temps, c'est que oui, en fait, j'y consacre tout mon temps, mais j'ai pas l'impression de travailler, en fait. C'est juste ce que j'aime faire. Et donc tous les jours, quand je viens à la boutique ici, je suis juste trop content d'arriver à chaque fois. Et il y a des fois même où j'ai hâte, le soir en arrivant chez moi, d'être déjà le lendemain pour à nouveau être au milieu des fleurs, des plantes. Donc, ayez la chance. Je vous souhaite à tous, franchement, de pouvoir avoir la chance de vivre de votre passion. Je pense que c'est la plus belle chose au monde. Bref, voilà, c'était la petite parole du vendredi. moi maintenant, ce que je vais faire, donc je vais mettre ce panier de fleurs dehors et puis on va continuer et s'occuper des plantes. Bon, j'ai viré un peu les plantes qui se trouvaient là. Il y avait donc ici les Peperomia Raindrop, ces Pilea dont je me suis un peu occupé parce que bon, vous-même vous savez, les Pilea, ça perd autant de feuilles que ça en fait. Donc du coup, il y avait plein de feuilles qui étaient déjà décrochées mais qui étaient encore juste posées sur le pot. Donc je m'en suis un peu occupé. Ah, ils vont pas top, mais parce qu'ils sont dans des pots en plastique en fait à l'intérieur et ça garde trop l'humidité, vraiment. Donc peut-être que je vais les bouger de place, je vais voir. Et pareil pour les Peperomia, parce que j'ai l'impression que le terreau reste un peu trop humide. Les Raphidophora qui sont arrivés, qui sont franchement très beaux. Je vais vous montrer un pied. Vous voyez, ils sont très gros, ils ont plein de ramifications. Je leur ai trouvé ces pots-là. Problème, c'est que j'ai 4 Raphidophora et j'ai que 3 pots, puisque j'ai un quatrième qui est en dépôt chez un client, chez un abonnement. Donc, ça me fait un peu chier. Je vais pas pouvoir mettre les 4 parce que je peux pas mettre un pot différent. Mais du coup, j'avais une cliente qui, à un moment déjà, m'avait dit qu'elle en cherchait. Et donc, du coup, je l'ai appelée en disant « J'en ai la boutique ». Donc, elle va venir en chercher un. Donc, du coup, il m'en restera que 3. Donc, ça va au final. Et voilà, ils sont vachement beaux. Ils ont déjà des jolies découpes. Donc, je vais placer ça dans ces pots-là, et puis les placer sur le meuble. Et après, il faut que je trouve aussi, du coup, des pots pour ces petits philodendrons. Mais bon, ça sera après. Bon, voilà ce que ça donne. Alors, ça fait très vert sur vert, puisqu'en fait, le mur, on le voit pas très bien à la caméra, mais il est un petit peu vert moutarde. Donc, ça fait très vert sur vert. Mais j'aime bien. Ça fait enfin un petit peu rempli. Et il faudrait que je m'occupe de là en haut. Là, il y a une des 3 plantes. Elle est là, en fait, parce que j'ai juste chopé son cache-pot. Il faudrait que je retrouve quelque chose pour remplir ici. Comme je vous avais dit, à la base, j'avais pris des marantas, mais elles sont un peu petites. Je pensais qu'elles seraient plus retombantes, donc ça sert à rien. Ce chlorophytum-là, il va dégager, parce qu'en fait, il est en très mauvais état. Ce chlorophytum, en fait, j'y arrive pas. Donc, si ça peut décomplexer certains, oui, je suis fleuriste. Oui, je m'y connais très bien en plantes et en fleurs, mais il y a des trucs qui ne fonctionnent pas chez moi, comme ce chlorophytum, qui, comme vous le voyez, a une tête horrible. Voilà, je ne réussis pas tout. Je peux aussi mourir des plantes. Ça arrive. C'est une plante qui est réputée pour être facile. Tout le monde me dit qu'elle est super facile.
Et moi, chez moi, j'en ai déjà eu plusieurs fois à la maison et elles meurent à chaque fois toutes. Et ici en boutique, ben, elle va pas bien. Donc je vais la donner à ma meilleure amie. Et donc si ça peut vous décomplexer, ben, tant mieux. D'ailleurs, j'ai une autre plante aussi un peu dans ce genre. Je vais vous la montrer. Ce croton ici, qui est énorme, qui monte jusque là, là-haut, voilà, on le voit pas. Et il a perdu plein de feuilles parce qu'en fait, pendant l'été, il a eu soif puisqu'il a fait très très chaud. Et du coup, il a perdu plein de feuilles. Il commence à me refaire des petites pousses. Mais comme vous le voyez, il n'est pas content. Donc voilà, encore une fois, si ça peut vous décomplexer, je suis fleuriste et j'arrive à maltraiter des plantes malgré La lumière est magnifique aujourd'hui, il fait super clair, il fait super beau et j'aimerais beaucoup tourner un réel pour mon compte Instagram perso, The Flower Pose. Le même que si j'y arrive, je vous le mets ici, où je déballe une plante. Vous savez, quand elles sont très grosses, très belles et qu'elles arrivent dans un plastique et que bah déjà la satisfaction pour moi de retirer le plastique et la voir se déployer et être trop belle. En vidéo, je l'ai fait pour le philodendron Green Beauty. Et ça a eu l'air de plaire pas mal. Donc en fait, je vais faire la même chose avec un autre philodendron qui est rentré. Mais faut que je le fasse en fait avant qu'il y ait trop de clients. Mais d'abord, je bois mon petit café. En fait, je suis du genre à me trouver des excuses pour retarder en fait le fait de faire quelque chose. C'est un peu de la procrastination, je sais. Mais donc du coup, à chaque fois que je dois faire un truc où ça me demande de, par exemple, comme là, aller chercher le trépied. Installer tout ce qu'il faut pour placer la plante genre bien. J'ai un genre de petite flemme comme ça et je me dis, je vais d'abord me faire un café. Juste histoire de retarder de 10 minutes. On est donc le samedi 18 mars. J'ai fait un arrivage de fleurs, encore une fois. Comme je l'avais déjà expliqué, j'en fais 2 à 3 fois dans la semaine avec mon fournisseur principal, celui qui me livre les fleurs dans les bacs jaunes. Et de temps en temps, quand il faut faire un rajout, je passe moi-même en personne chez d'autres fournisseurs. Là, il me restait plus grand-chose parce que je vais vous montrer donc l'état du banc. Donc voilà. Vous voyez bien que ça fait un peu vide. Donc du coup, en plus, il me reste juste un seul bouquet prêt. Donc j'ai essayé de faire rentrer un petit peu de fleurs. Je vais nettoyer ça. Et puis ensuite, je vous montrerai ce que j'ai pris. Je vais pas vous faire de timelapse sur le temps que je nettoie parce que je n'ai pas encore commencé à monter cette vidéo. Je vais commencer ça tantôt. Mais à mon avis, bah comme tout le restant de mes vidéos, elle va être très longue. Moi, c'est le genre de vidéo que j'aime bien regarder, des vidéos très longues, un peu chill. En plus, on n'est pas obligé de regarder la vidéo de 50 minutes d'une traite. Enfin, moi, ça m'arrive très souvent de regarder les 20 premières minutes et puis de passer à autre chose et puis d'y revenir. Ça m'arrive aussi de faire d'autres trucs en même temps, d'être occupé à faire ma compta ou du rangement chez moi et de mettre une longue vidéo. Moi, ce que j'adore aussi, c'est le soir, du coup, c'est avant d'aller dormir, c'est de mettre une très longue vidéo et limite de m'endormir devant. Donc voilà. Donc moi, j'aime bien faire ce genre de vidéos très longues, j'aime bien les regarder. Je suis assez content parce qu'au final, j'ai eu plein de commentaires qui me disent que les 50 minutes de vidéo, ils les voient pas passer. Donc voilà, ça veut dire que ça reste quand même chill, mais assez dynamique pour qu'on s'emmerde pas. Donc voilà, comme je disais, du coup, ben, je vais quand même nettoyer les fleurs, pas vous faire de timelapse et je vous montrer juste le résultat. Parce que bon, 50 minutes de vidéo, c'est bien. On va essayer de pas dépasser parce qu'il y a le montage et tout derrière. Ah oui, et j'ai complètement oublié de vous le dire aussi, j'ai pas repris la caméra hier soir parce que je suis en train de faire une refonte de mon site internet, de la boutique en ligne. Et j'ai quelqu'un qui m'aide pour ça. Donc, j'ai une jeune étudiante qui vient faire son travail de fin d'études ici à la boutique. Donc, je ne la rémunère pas. Mais du coup, ça lui permet de faire son travail de fin d'études et de faire un super travail de fin d'études parce qu'elle était venue se présenter à moi avant les fêtes de fin d'année avec une présentation de malade, avec un PowerPoint excellent. Bref, on voit qu'elle est motivée, qu'elle est très douée dans ce qu'elle fait. Et donc, du coup, on a passé bien 1 heure hier soir avant la fermeture à se faire une petite réunion sur encore plein de choses à voir. Là, on est sur la partie écrite en fait du projet, sur toute la partie écrite de qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire. Ça avance plutôt bien puisque là, on a fini toute cette partie écrite. Ça va être maintenant vraiment se lancer dans du concret et dans les changements qu'il va y avoir sur le site. Site que j'avais laissé à l'abandon en fait depuis bien janvier 2022. Alors, il est toujours actif, hein. D'ailleurs, vous pouvez aller voir dans la barre d'infos. Mais il est horrible. C'est pas mon boulot de faire des sites internet.
Et donc voilà, et donc j'ai une étudiante en marketing digital et communication qui va m'aider à faire ça. C'est vraiment chouette parce qu'elle comprend vraiment toutes mes attentes, toutes mes envies. Elle adore Flower Addict. Quand je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'elle avait choisi cette entreprise-ci, elle m'a dit qu'elle trouvait que c'était vraiment un super projet, une super entreprise. Les fleurs, c'était très visuel et donc du coup, il y avait moyen de faire des chouettes choses. En plus, elle aimait beaucoup la marque et l'image de la marque, donc ça m'a vraiment motivé à lui dire oui. Et elle comprend très bien ce que je veux, mes attentes, mes envies. Et donc ça avance bien. Vous comprendrez que j'ai pas filmé parce que je veux que ça reste encore un petit peu secret tant que rien n'est fini. Mais dès que ce sera le cas, honnêtement, je vous le partagerai. Comme ça, vous irez voir et vous me direz ce que vous en pensez. Et voilà, le tout nouveau banc de fleurs. Alors, il est petit, hein, clairement, parce que c'est juste des fleurs pour aujourd'hui et demain. Mais j'ai pris des choses qui tiennent plutôt bien. J'ai repris du gypsophile parce qu'en ce moment, j'en mets dans tout. Il y a deux sortes de gypsophile. Et il y a celui-ci avec les toutes petites fleurs, le Million Star. Et il y a le tout gros, le Big Excellence. Moi, je préfère celui avec les toutes petites fleurs. J'ai pris des renoncules. Jaune verte, c'est trop beau, vraiment, c'est pas vraiment jaune, c'est un jaune chaud en fait. C'est du jaune, mais c'est un jaune chaud, et j'aime beaucoup. Bon, les Craspedia, ils sont toujours là. J'ai repris du Solidago, parce que pareil, j'en mets dans beaucoup de bouquets. La Wax était déjà là, ces Gerbera là et ces tulipes aussi. J'ai pris des Hypericum, pareil, c'est très joli. Ça tient très longtemps, donc même si j'en ai encore la semaine prochaine, ce qui m'étonnerait, voilà. Des mufliers. J'ai pris ici du saule tortueux parce que c'est bientôt Pâques. Je sais pas ce que je vais faire encore avec, mais j'en ai pris. J'ai pris ces gerberacées. Ils sont beaux, ils ont plein de pétales. Je vous montre la différence avec un classique. Voilà, je les aime beaucoup. J'aime beaucoup la couleur. C'était la couleur rose fumé des Alstroemeria. Quelques roses grappes roses, j'en ai déjà qui sont parties. Des Dianthus, couleur un peu orange. Orange corail presque, des clématites, j'adore les clématites, j'ai repris encore des mufliers orange, je me suis un peu lâché en fait, j'avais pas vu qu'ils s'achetaient par 60, généralement les fleurs on les achète soit entre 10 et 20, par exemple ici les gerberas ça s'achetait par 20 pièces, gypsophile par exemple, celui d'Ago c'est par 25 pièces en général, mais sinon les roses, les mufliers, pareil pour les clématites ça s'achète par 10. Et là, je me suis dit, oh, chouette, le prix est intéressant. Mais en fait, le prix était intéressant parce que c'était par 60. Donc voilà, j'en ai 60. Ça tient bien, c'est pas très grave. Et maintenant, je vais m'occuper des plantes qui sont ici, puisque j'ai rentré un petit peu de plantes extérieures. Puisque comme il fait beau, j'ai eu pas mal de ventes de plantes extérieures. Donc j'ai repris des petits œillets. Celui-ci, il est vraiment super beau. Je me demande si je vais pas me le garder pour moi, pour dans ma jardinière à la maison. Donc j'ai pris ça ici. Qu'est-ce qu'on a en bleu? Ça s'appelle des Lithodora. Lithodora Diffusa Blue, c'est très joli aussi. J'ai repris des pensées d'hiver. Elles sont jolies comme ça en bleu et jaune, ça fait penser un peu à des iris. Et alors ici, que je vous dise pas de bêtises, yep, ce sont des Zobrieta Variegata. Donc voilà, je ne connaissais pas. C'est marrant parce que ça fait des petites fleurs bleues. Ouais, vraiment, j'ai pris du bleu. Hein. Voilà. Et variegata comme ça avec un peu de jaune, c'est plutôt sympa. Donc là, maintenant, je vais m'occuper de mettre tout ça joliment à l'extérieur. Ici, ce sont des plantes qui sont en train de boire. Je sais pas quoi faire avec, honnêtement, parce que voilà, elles ont plein de petites taches sur les feuilles. Je pense que je vais les mettre sur Too Good To Go. Pour ceux qui connaissent pas Too Good To Go, c'est un système que j'utilise déjà depuis 2 ans. Alors, j'avais commencé parce que je m'étais retrouvé après une campagne que j'avais faite avec le Stegenberger Wiltshire à l'avenue Louise, avec une tonne de fleurs en fait que j'ai dû récupérer de chez eux. Et je savais pas quoi en faire. J'en distribuais à plein de voisins, mais il m'en restait plein. Et je voulais pas les jeter. Elles étaient payées en plus, et c'était un peu dommage, je voulais pas les jeter. Et en fait, à la base, l'application Too Good To Go, c'est une application pour tout ce qui est alimentaire, où en fait des commerces d'alimentation vont faire des petits paniers anti-gaspillage. Ça dépend des commerces, mais moi par exemple, c'est un panier d'une valeur de 15 euros que vous achetez à 4,90 € il me semble, donc près, on va dire 5 euros. Et donc du coup, vous payez 5 euros et vous avez l'équivalent de 15 euros de fleurs ou de plantes. Je le fais pas très souvent avec les fleurs, ou alors si vraiment c'est des fleurs que je sais que j'en ai pris trop, que je vais pas réussir à vendre, qu'elles sont encore bien fraîches, mais sinon avec les plantes, c'est ce que je fais.
quand il me reste une dernière plante que personne ne veut acheter et qui est toute seule dans son coin, ou comme là, qui sont un petit peu abîmées, mais que j'ai pas envie de jeter, enfin, ce serait dommage. Donc je pense que je vais faire des petits paniers en petit gaspi. C'est un bon plan, je sais pas s'il y a ça partout, ici en Belgique c'est tout good to go. Je regarde pendant temps les vidéos de Marion Botanical et elle aussi elle va chercher des paniers anti-gaspi, ça doit être une autre application. Mais si vous cherchez bien, je suis sûr que vous devez trouver ce genre d'application près de chez vous. Et c'est plutôt chouette parce qu'on peut aller chercher des choses alimentaires, des fleurs, des plantes, en fait tout ce qui est périssable en gros. Donc voilà, là je vais installer toutes les plantes extérieures. Ce sera plus joli que ce qu'il y a maintenant parce qu'il y a plein de trous et j'aime bien quand c'est bien rempli, bien garni. Donc je vais faire ça. Bon les amis, je vais arrêter la vidéo maintenant. Il est 17h30. Il faut encore que je termine de monter cette vidéo et j'ai déjà bien commencé, enfin j'ai presque terminé et elle dépasse les 50 minutes. Donc on va s'arrêter là, il va rien se passer de spécial d'ici là. J'ai encore quelques clients à servir et demain ça va être de l'arrosage. La routine. Le plus intéressant à vous montrer, c'est ce qui se passe en semaine en soi, puisque le week-end, en fait, toute la préparation a été faite pendant la semaine. Donc, le week-end, c'est juste servir des clients. Et là, comme ce matin, encore l'arrivage de quelques fleurs, quelques plantes. Désolé, je regarde beaucoup là-bas, mais la porte est de l'autre côté. Donc, je veux être sûr que personne n'ait besoin d'un renseignement. Moi, je voulais juste vous dire un très, 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 très grand merci. Alors, déjà, un grand merci à Marjorie's Plantes. Je vous mettrai son compte en bas dans la barre d'infos, elle avait parlé de moi dans une vidéo, donc je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui viennent voir mes vidéos grâce à elle. Je pense qu'on s'est découvert, elle et moi, un petit peu en même temps, et j'adore son contenu, j'adore cette fille. Elle est à la fois très douce et très relaxante quand on regarde ses vidéos, mais je sais qu'elle a un côté un petit peu fofolle et très tranché, donc c'est vraiment cool. Encore une fois, Marjorie, un immense merci à toi. Ça m'a vraiment touché profondément. Un immense merci à vous tous, les abonnés. En fait, je ne m'attendais pas à avoir autant de vues sur mes vidéos. Quand j'ai lancé ce truc, j'avais lancé, je me rappelle, une première vidéo comme ça. Et pendant 2 mois, je ne m'en suis plus occupé. Enfin, j'ai plus fait attention, ça m'était sorti de la tête. Et de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui regardent, de plus en plus de gens qui commentent, qui aiment voir ce que je fais, c'est vraiment hyper plaisant, c'est hyper gratifiant. Donc, merci beaucoup à vous tous. Je m'attendais vraiment pas à ça, donc vraiment un réel plaisir. Du coup, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain.